Bien qu'ils aient signé les PV de sortie ce matin, pour la majorité des enseignants, il faudra patienter avant de pouvoir sortir en congé. Et oui, la session extraordinaire du baccalauréat, c'est dans quelques jours, au programme Surveillance pour les uns et correction pour les autres. Aujourd'hui, nous allons signer un PV de sortie, juste pour la forme, car en vérité, nous ne sommes pas en vacances, nous allons surveiller les épreuves du baccalauréat, mais aussi corriger les copies, donc on ne peut pas commencer à s'organiser pour des vacances, et surtout pour récupérer et se reposer après l'effort fourni toute l'année. Effectivement, c'est aujourd'hui qu'a lieu la signature des PV, mais je peux vous dire que c'est une simple formalité puisqu'il y a la surveillance de la deuxième session du bac, ainsi que la correction, et même si cela ne touche qu'une partie des enseignants, ça nous concerne aussi. Une situation très agaçante pour la majorité des enseignants qui espéraient enfin pouvoir décompresser et se reposer avant d'entamer une nouvelle année. L'année a été très dure, aussi bien pour l'enseignant que pour l'élève, et à la fin du mois de juillet, au lieu de profiter pour reprendre des forces et bien entamer la nouvelle année, c'est le contraire qui se passe. Mon téléphone n'arrête pas de sonner puisque les enseignants m'appellent, et là on sait que la majorité sont convoqués pour la surveillance et la correction. Voilà les conséquences de cette décision. Il faudra donc prendre son mal en patience avant d'espérer sortir en vacances pour pouvoir ensuite entamer une nouvelle année de dur labeur.